Ben voilà, mon stage en Irlande de 4 semaines touche à sa fin. On est sur le chemin du retour dans le ferry. Tout d'abord, je vais vous parler de l'organisme qui a cherché notre entreprise, organisé des sorties. C'est un très bon organisme avec de très bonnes personnes. C'est bien. L'organisme a bien géré les sorties. Malheureusement, il manquait peut-être un petit peu de personnes pour nous accompagner. Mais bon, c'est pas très grave. Les sorties, on allait voir Killarney. C'est une très belle ville, très jolie. On allait voir des falaises aussi, très jolies également. Et sinon, je suis allé à Cork également avec mes propres moyens. Très jolie ville également. Sinon, dans la famille, tout s'est très bien déroulé. J'avais une petite appréhension, c'est qu'est-ce qu'on allait manger parce que je suis assez difficile et au final, bah, j'ai super bien mangé. On mange normalement, j'ai envie de dire, bien équilibré. Bon, il y a des repas, c'est un peu moins équilibré. Pizza frites, par exemple, ou une quiche avec des frites, c'est pas top, mais c'est bon. Sinon, on trouve des pommes de terre dans tous les repas. C'est comme ça, c'est bon. Dans la famille, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On nous dit comment est-ce que ça marche dans la famille, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Et sinon, j'ai rien d'autre à rajouter pour la famille. En entreprise, ça s'est très bien déroulé. Dès le premier jour, j'ai été très bien accueilli par ma tutrice et par les employés du magasin. Les premiers jours, c'est un peu difficile à parler avec les clients, avec le personnel. Mais au fur et à mesure, on s'habitue. Et puis à la fin, bah, c'était beaucoup mieux. On prend plus de responsabilités. Comme un stage normal, en fait. C'est juste la langue qui change, c'est tout. Sinon, c'est exactement pareil. Et sinon, je pensais que 4 semaines, ça allait être très long. Mais en fait, c'est passé super vite. On les voit pas passer les 4 semaines. Et franchement, j'aurais bien voulu rester plus longtemps. Parce que, bah, c'est super bien là-bas. Le temps, il a fait assez bon globalement, sauf les derniers jours. On a eu un peu de pluie, mais bon, ça, on peut rien y faire. Mais sinon, je recommande à tout le monde d'aller faire son stage en Irlande parce que c'est une très bonne expérience. Et moi, je pense que je vais jamais oublier ce moment-là parce que c'est gravé à jamais dans ma mémoire. La langue anglaise. Et la langue anglaise, bah, ça dépend des personnes. Il y en a qui parlent bien, il y en a qui ont un accent. Et franchement, c'est un petit peu plus difficile à comprendre avec un accent, mais on s'habitue, on parle avec des gestes, il y a Google Traduction s'il faut. Il y a beaucoup de moyens pour comprendre. Du coup, faut pas se poser de questions, faut y aller et puis voilà.